Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers Camerounais et aussi tous les Africains qui se trouvent, qui écoutent cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer le message de Maurice Kamto lors de son allocution le 31 décembre 2023. Déjà, avant de commencer, je voudrais rappeler que cette plateforme a pour seul intérêt de s'investir pour que Maurice Kamto arrive au pouvoir. Donc, nous allons apporter notre soutien inconditionnel à la candidature de Maurice Kamto lors des élections présidentielles de 2025. C'est le seul à même de changer la situation chaotique qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Donc, déjà, il faut que ça soit clair que cette chaîne-ci a pour seul objectif de relayer toutes les idées de Maurice Kamto, son idéologie, sa pensée, ce qu'il entend mettre sur pied pour que le Cameroun puisse avancer. Alors, lors de son allocution, Maurice Kamto a relayé quelques points saillants que je me permets de partager avec vous ici. Premièrement, sur le plan politique, Maurice Kamto a souligné la cacophonie gouvernementale, dont avec des actes apocryphes, des fausses signatures, même dans la justice. Des ministres qui se plaignent et qui s'accusent entre eux. Maurice Kamto a souligné le fait qu'aujourd'hui, dans le bateau Cameroun, il n'y a plus de commandant en chef. Donc, le bateau Cameroun est en train de naviguer à vue. Donc, c'est pour vous dire que la situation est très grave. D'autant que Paul Biya a 92 ans, déjà à cet âge-là, le plus souvent, il ne se rappelle même plus ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qu'il a fait il y a de cela quelques instants. Il ne sait même pas souvent où il se trouve. Donc, c'est normal et c'est physiologique. Donc, on n'attend pas grand-chose de Paul Biya. Le problème ici, c'est que les clans qui sont autour de lui sont en train de gouverner alors qu'ils n'ont reçu aucun mandat déjà. Le mandat que M. Biya est en train d'exercer aujourd'hui, c'est un mandat qui a été volé. Maurice Kamto a été spolié de sa victoire en 2018. Tout compte fait, Paul Biya est le président en fonction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui qui gouverne. Vous savez que il a délégué son pouvoir de manière permanente au secrétaire à la présidence et on ne sait plus ce qui se passe parce que, avec les hautes institutions, ça crée du désordre au niveau des institutions et les documents officiels se trouvent sur la place publique dans les réseaux sociaux. Donc, le Cameroun n'est plus gouverné. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur le plan politique. La situation est très, très grave. Maintenant, sur le plan économique, il faut relever que Maurice Kamto avait déjà comme ça projeté l'augmentation des produits pétroliers en 2024. Et lors du discours de Paul Biya, Paul Biya a signalé que les produits pétroliers les prix des produits pétroliers augmenteront. Donc, parce que Maurice Kamto n'est pas seulement un juriste de renom, il n'est pas seulement un professeur émérite, mais c'est aussi un économiste. Maurice Kamto a des notions très très solides en économie. Et donc, Maurice Kamto avait déjà projeté cette augmentation des produits pétroliers. Donc, en quelque sorte, le carburant va augmenter de prix et même l'électricité va aussi augmenter. Malgré les délestages, le prix de l'électricité va s'augmenter de manière significative. Donc, vous voyez un peu comment le Cameroun aujourd'hui est gouverné. Et toujours sur le plan économique, le panier de la ménagère va souffrir en 2024. Avec la flambée des prix des produits de première nécessité. Et c'est encore plus grave parce que c'est un peu ce qui maintient la classe moyenne. Mais parce que M. Biya n'a pas trouvé
est nécessaire d'investir dans l'agriculture, dans l'industrialisation de l'agriculture, on importe pour presque 800 milliards de francs CFA. Le Cameroun, qui avait la réputation d'être le grenier d'Afrique centrale aujourd'hui, importe pour près de 800 milliards de francs CFA. C'est pour vous dire que la situation va très très mal. Toujours sur le plan économique, le Cameroun est en train de s'endetter à la vitesse de la lumière. Et le danger dans tout cela, c'est qu'il s'agit d'une dette toxique. Ce n'est pas une dette qui va créer de la richesse, il ne s'agit pas des investissements. Il s'agit d'une dette qui est détournée par ceux qui nous gouvernent, par ceux qui se trouvent à la tête de l'État. Ils sont corrompus et détournent l'argent public. Et on a vu les lignes 94, 65, toutes ces lignes-là, tous ces gens-là qui ont détourné, même qui ont détourné l'argent qui était comme ça prévu pour construire les stades, alloué pour construire les stades. Même ceux qui ont détourné cet argent ont reçu des médailles. C'est pour vous dire que le Cameroun aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui se moquent de nous. Donc, sur le plan économique, la situation est catastrophique. Alors, sur le plan sécuritaire, n'en parlons plus parce que il ne passe pas un jour sans qu'il y ait des morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette guerre fratricide que M. Biya pouvait s'en passer, il a laissé la situation comme ça, assez dégradé. Donc, aujourd'hui, dans les régions du nord-ouest et du sud, les populations ne savent plus comment faire parce que la situation est chaotique. Il y a l'insécurité qui prévaut dans toutes les parties du nord-ouest et du sud-ouest. Et les populations sont prises entre deux feux. Celui de ceux qu'on appelle Amba Boys et les feux des militaires qui sont là pour essayer aussi d'installer la sécurité, la paix, mais il s'agit d'une guerre asymétrique, d'une guerre entre frères et sœurs. Donc ce sont nos frères, les Ambabos, ce sont nos frères camerounais. Les militaires, ce sont nos frères camerounais. Et ceux qui sont au milieu, les populations, ce sont aussi nos frères camerounais. Donc c'est comme ça, ce sont des Camerounais qui tombent tous les jours. Et M. Biya n'attend pas, n'entend pas organiser un vrai dialogue, un dialogue franc qui va mettre en place tous les acteurs, tous les protagonistes autour d'une table de discussion et pour discuter de la situation du Cameroun. Parce que c'est ça qui est question. Et Maurice Kamto, une fois au pouvoir, mettra en place ce dialogue inclusif pour que tous les acteurs puissent discuter, y compris de la forme de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en sort, c'est qu'il faut le fédéralisme au Cameroun. Donc, la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est en train de s'enlisser et il y a des morts tous les jours. Ce sont nos frères et sœurs qui tombent. Et vous savez que vous savez que là-bas, on ne peut plus collecter on ne peut plus collecter les taxes. Donc cette partie du Cameroun est fiscalement sinistrée. Donc on ne peut plus collecter les fonds, les taxes et les impôts là-bas dans les régions du nord et du sud. Donc c'est aussi pour ça que les caisses de l'État sont vides, parce que non seulement il n'y a pas d'entrée grâce aux taxes et aux impôts, parce qu'il n'y a plus d'activité économique dans les régions du nord-est et du sud-ouest, mais aussi ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent dans les munitions et aussi dans la charge des militaires, parce qu'ils recrutent les militaires tous les jours, beaucoup qui tombent et il faut les remplacer. Donc, voyez un peu. Toujours sur le plan sécuritaire, la région
La partie septentrionale du Cameroun est en train de souffrir de l'insécurité, avec Boko Haram qui fait toujours des incursions. Parce que là-bas, Boko Haram a trouvé un terrain fertile. Parce que là où il y a une pauvreté ambiante, il y aura toujours l'insécurité. Monsieur Bia, à 42 ans, n'a pas pu construire les écoles, les universités dans la partie septentrionale du Cameroun. Il n'a pas pu créer un terrain fertile pour l'investissement, mais il a plutôt créé une situation chaotique, un terrain fertile plutôt pour le terrorisme. Et c'est, il faut mettre ça. Bobby est responsable de ce qui se passe dans la partie septentrionale du Cameroun. C'est quelque chose qu'on pouvait anticiper s'il avait fait des bonnes prévisions, parce que c'est pas que Boko Haram commence de nulle part. Tout pays ou toute ville qui est sous-développée est toujours susceptible de subir ce genre de manipulation des consciences de la jeunesse. Donc, Bobby a laissé cela se dégrader. Donc, aujourd'hui, c'est lui le responsable. Que ce soit de la guerre au nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit de l'insécurité qui prévaut aujourd'hui dans la partie septentrionale du Cameroun, au nord et au grand nord du Cameroun. Donc, ça, c'était sur le plan sécuritaire. Sur le plan social, il y a beaucoup de divisions entre les Camerounais. On ne peut pas s'en cacher. Beaucoup de divisions. Le tribalisme, alors, est devenu monnaie courante parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement tribaliste. Il instrumentalise le tribalisme pour des fins politiques. Et c'est très grave. Monsieur Bia a toujours surfé sur le tribalisme pour diviser les Camerounais et mieux régner. C'est aussi simple que ça. C'est la recette parfaite de Monsieur Bia. Et donc, vous voyez comment aujourd'hui, on ne se base plus sur les compétences professionnelles, les compétences d'un individu. On regarde d'abord son patronyme, on essaye de voir où il se trouve. On tribalise tout. Comme Oscar Tola souligne, on tribalise la joie, on tribalise la douleur, on tribalise tout. Alors que ça ne nous amènera nulle part. C'est en étant unis qu'on pourra développer notre pays. Donc il est grand temps que tous les Camerounais puissent se mettre ensemble, tous les Camerounais, tous les Camerounais puissent se mettre ensemble autour de la seule chose qui nous unit, qui est le développement de notre pays. Qui est le développement de notre pays parce que si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas développer notre pays. Moi, je suis ici en train de soutenir Maurice Kamto. Je ne suis pas contre un autre candidat ou de je ne sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis ici pour dire, finalement, après 50 ans d'indépendance, nous avons trouvé un leader charismatique. Pas seulement un leader courageux, mais un leader compétent, crédible, qui a une certaine probité morale. Nous n'en avons jamais trouvé. Et John Fundi, c'était un candidat très courageux, c'était une personne très courageuse et peut-être compétente, peut-être, mais sa compétence était aussi douteuse parce que c'est vrai qu'il n'avait pas fait de grandes écoles et du coup, c'était très difficile à mesurer cela. Maurice Kamto a prouvé tout au long de sa carrière. Il a d'abord travaillé, c'est ça qu'on dit toujours. N'utilisez pas la politique comme l'unique source de revenus. Parce que vous allez vous laisser manipuler. C'est pour ça que Maurice Kamto n'est pas manipulable. Il a d'abord travaillé. Donc, Maurice Kamto ne peut pas être manipulé. Il a travaillé d'abord pour lui-même comme avocat, comme professeur, comme tout ce comme juriste. Il a d'abord travaillé pour lui-même. Et aujourd'hui, il entend mettre au service du Cameroun toutes les compétences qu'il a accumulées durant ces années. Donc, sur le plan social, tout va mal, de mal en pis. Tout va vraiment mal. Donc, il faut que les Camerounais se ressaisissent pour parler des sujets qui vont améliorer leur situation, améliorer la situation de leurs enfants. Donc, il faut laisser
le tribalisme très très loin de nous. Très très loin de nous. Donc, nous avons parlé du plan économique, plan politique, plan sécuritaire, plan social. Et sur le plan social, il y a les accidents tous les jours. Mosramto a parlé de ça. Beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts en 2023, malheureusement. Que la paix de que leur âme repose vraiment en paix, tous ceux qui sont morts dans des accidents. Il faut parler de cela. Sur le plan social aussi, il faut parler de la situation de nos mamans qui meurent sur les hôpitaux en donnant des vies. Parce qu'aujourd'hui, parce que il a laissé la situation se dégrader. Aujourd'hui, les hôpitaux préconisent toujours la césarienne. On ne sait pas pourquoi. Parce que ça leur rapporte plus d'argent. Moscamto entend mettre fin à cela parce que la césarienne sera gratuite. Du coup, les hôpitaux ne vont plus trouver une raison valable ou financière pour pouvoir préconiser toujours la césarienne, même quand l'accouchement peut être normal. Donc, Moscamto mettra fin à tout cela. Alors, sur le plan politique, Moscamto a souligné encore le fait que les prisonniers politiques du MS sont toujours en prison. À l'heure qu'on parle, beaucoup ont écopé de 7 ans, 5 ans, 7 ans de prison ferme, pour rien. Beaucoup n'ont même pas marché, mais ils ont été arrêtés à leur domicile, comme Ibou Nissa a été arrêté devant sa femme et ses enfants. Alain Foguet, pareil. Donc, ils ont écopé de 7 ans de prison ferme dans des prisons infestes de Port-Biya. Donc, vous voyez comme ça que Port-Biya détruit des vies de pauvres citoyens et des enfants des autres, alors qu'il a des enfants. Ça, c'est très grave. Et il instrumentalise la justice. On a une justice aux ordres, qui a condamné des militants du MSC sans preuve matérielle, comme ça, sur des raisons fallacieuses. Il n'y a pas eu de preuve matérielle. On vous condamne pour insurrection. Est-ce que vous étiez armé? Quelle est la preuve de l'insurrection? Si vous n'avez aucune arme blanche, vous n'avez rien, ni couteau, rien, rien du tout. On vous attrape, on vous condamne pour insurrection, ils ont des chefs d'accusation qui dépasse souvent l'entendement. Donc, sur le plan politique, et ça c'est très important, Moussanto a souligné le fait que le MSC participera à toutes les élections à venir. Donc, que ce soit les élections municipales, législatives, mais surtout les élections présidentielles. Jusqu'ici, il y avait eu débat sur le fait que le MSN n'ayant pas d'élu, Moscamp ne pourra pas être candidat aux élections présidentielles de 2025. Moscamp a recommandé de clore ce débat. C'est un débat contre-productif parce que c'est seulement ceux qui sont caractérisés d'une inculture, qui sont en manque de culture juridique et politique qui font ce genre de débat, alors que s'il y a des élus qui peuvent se retrouver dans le MSC, alors le MSC peut facilement présenter un candidat. Donc, quand quelqu'un démissionne, quand un élu démissionne de son parti, il ne démissionne pas en tant qu'élu. Mais ils laissent son parti. Donc, ce n'est pas comme dans d'autres pays. Donc, Moscamto a vraiment dit qu'il faut clore ce débat. Un élu ou plusieurs élus qui se trouveront dans le MSC rendront automatiquement le MSC, donneront automatiquement la possibilité au MSC de présenter un candidat aux élections présidentielles. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de complications à y faire là-dessus. Ceux qui vont un peu
et aller vérifier dans la Constitution, peuvent aller le faire. Moi, c'est un fin juriste, donc je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse faire des débats avec lui par rapport à cela. Donc, chers frères et sœurs, ça c'était en quintessence ce qui en ressort du discours de Maurice Kamto. Certainement, j'aurais oublié d'autres points importants. Vous pouvez toujours partager avec moi dans les commentaires et surtout partager la vidéo. Et je vous interpelle aussi de soutenir cette initiative que nous avons lancée. Nous allons soutenir Maurice Kamto jusqu'aux élections de 2025. Parce que nous savons que si nous le faisons, nous abrégerons notre calvaire. Nous, on en a trop supporté. Et les enseignants continuent à se plaindre. Monsieur Biya est en train de torturer, de menacer les enseignants. Parce que tout ce qui, le seul instrument qu'il a en main, ce n'est pas le dialogue, c'est le marteau. Donc, tout ce qu'il a devant lui, c'est un clou, il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper. Il menace les enseignants. Maurice Kamto avait déjà proposé une solution pour sortir de cette crise-là. Et M. Biya a refusé. Il veut budgétiser l'argent qui appartient aux enseignants, alors qu'il y a des lignes 94-65 où on peut prélever l'argent là-bas pour résoudre cette situation ponctuelle qui se présente, et maintenant, pour les années à venir, budgétiser. Mais pour l'instant, il faut répondre aux réclamations des enseignants. Mais M. Biya n'entend pas le faire. Déjà, c'est un dictateur. Un dictateur a les armes, il a les clous, il a les marteaux, il menace tous ceux qui sont en. Qui rame à contre-courant de ses intérêts. Il veut se maintenir au pouvoir. Ça, c'est seulement ce qui lui importe aujourd'hui. Donc, les gars, on se prend rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Ciao.